Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Eva News Live. Nous allons parler de la rentrée au collège Jules Ferry qui va avoir lieu la semaine prochaine, lundi. Nous sommes en direct. Merci Nicolas Blanche-Maison, principal du collège Jules Ferry, et Elsa Ojard qui est représentante des parents d'élèves indépendants. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette rentrée? Est-ce qu'on peut être rassurant? Comment ça va se passer? Est-ce que toutes les mesures barrières sont en place? On a l'impression qu'il y a tous les bandeaux qui sont déjà en place. Effectivement, on est prêt. On a terminé notre réunion de vérification des dernières mesures. Donc, on est tout à fait prêt à accueillir les élèves et les personnels à partir de lundi. Donc, 8h15 pour les 6e, 9h15 pour les 5e. Donc, le protocole sanitaire national a été pleinement décliné, intégralement décliné pour le collège Jules Ferry. Donc tout est opérationnel. Donc là-dessus, on n'est pas du tout inquiet. Et tout, vraiment, encore une fois, tout a été prévu pour accueillir les meilleures conditions les élèves. Les élèves, donc bien sûr, ça s'adresse que 6e et 5e pour l'instant. Tout à fait, 6e, 5e pour l'instant. Alors avec des fonctionnements différents, on pourra en parler ensuite. Mais pour les autres niveaux, on attend une évaluation nationale fin mai des conditions sanitaires nationales, encore une fois, pour voir s'ils reviendront. On n'a pas d'informations à ce sujet. Est-ce que vous savez le nombre d'élèves qui va être présent lundi? Oui, vous avez déjà fait une pré-enquête. Oui, tout à fait. Donc, on sait combien d'enfants sont prévus lundi. Donc, alors, je parlais d'un point de vue général, parce que lundi, c'est une journée particulière de reprise. Mais on aura un élève sur quatre en 6e et un élève sur 3 en 5e. Donc, mais lundi, on va accueillir tous les 6e et les groupes, le groupe 1 des élèves de 5e. Et le mardi, le 19, on va accueillir le groupe 2 des élèves de 5e. Parce que vu les effectifs en 5e, on a dû séparer les groupes, les classes en deux groupes. Est-ce que tous les professeurs seront présents? La plus grande partie des professeurs seront présents. Alors certains seront absents, travailleront en distanciel. Donc c'est pour ça qu'on a dû revoir les emplois du temps. Alors pour ça, mais également aussi pour pouvoir permettre une meilleure approche pédagogique des regroupements. On a fait des regroupements en associant des professeurs qui travaillent habituellement ensemble. D'accord. Une question peut-être à la représentante des parents d'élèves, Elsa Ojard. Est-ce que beaucoup de parents vous ont confié qu'ils étaient confiants pour cette rentrée? Leurs enfants seront présents? Alors, il y a des parents qui sont confiants, d'ailleurs ils viennent, et d'autres parents qui se posent encore des questions. Moi, je pense que sur la deuxième semaine, quand ils vont voir, ils vont s'interroger entre parents, il y aura plus de parents d'enfants qui vont revenir au milieu scolaire. Il faut attendre que ça se débloque progressivement. Il faut qu'ils prennent confiance, qu'ils aient moins peur, qu'ils soient rassurés. Je pense qu'après, tout est fait pour que ça se passe bien. Moi, je remercie M. Blanche-Maison de nous avoir fait participer en tant que parents d'élèves aux réunions préparatoires. Je suis une maman rassurée. Bon, je ne mettrai pas mon enfant pour des raisons médicales. Mais sinon, oui, mes enfants, moi, je les mettrai sans problème. Il y a vraiment un sens... Ils ne changent pas de classe, c'est les professeurs qui changent. Il y a du gel hydroalcoolique un peu partout dans le collège, des lingettes, il y a tout ce qu'il faut, des masques qui seront offerts. Donc je pense que c'est un des seuls collèges pour l'instant qui va offrir les masques aux élèves. Donc ça, c'est aussi rassurant, parce que les parents, c'est quand même un budget. Donc j'encourage les parents à mettre leurs enfants. Est-ce que les élèves peuvent venir avec leur vélo, par exemple? Oui, ils peuvent venir avec leur vélo. Donc on a prévu qu'ils soient rangés de façon espacée pour éviter en tous les cas le contact. Il y aura une distance d'un mètre minimum entre chaque vélo et donc entre chaque utilisateur. Mais on attend quand même beaucoup d'élèves transportés, en majorité, vraiment nette majorité des élèves qui prendront le car. Donc on attend peu d'élèves transportés par leurs parents ou qui viendraient à vélo ou à pied. Après, une fois qu'ils entrent dans l'établissement, on leur remet un masque? Alors, dès leur entrée, s'ils n'ont pas de masque, on leur donnera, dans tous les cas, 4 masques qui sont lavables et réutilisables à tous les élèves. La préconisation était de donner un masque à ceux qui n'en auraient pas. On a pris la décision d'en donner systématiquement à tous les élèves qui vont se présenter lundi et mardi. Comme ça aussi, comme disait Mme Ojard, pour rassurer, sécuriser les familles et pour notamment celles qui n'auraient pas pu en disposer avant. Et donc, oui, on va leur donner un masque, car la présence au collège sera obligatoirement avec le masque porté, voilà, que ce soit pour les élèves, les adultes. Ensuite, dès qu'ils sont entrés, donc on leur donne un masque, ils ont déjà accès à du gel hydroalcoolique, mais surtout on va les inviter à se diriger vers les sanitaires pour se laver les mains. Ce sera le premier geste.
Combien de masques par jour il faut compter? Est-ce qu'ils peuvent toujours tenir avec un seul masque pour la journée? Est-ce qu'ils peuvent changer? À quel moment ils peuvent l'enlever? S'ils peuvent l'enlever, je ne sais pas. Alors, dans tous les cas, ils vont recevoir 4 masques. Donc, encore une fois, réutilisable et lavable 20 fois. Le but, c'est d'utiliser 2 masques par jour. Donc, il y aura le changement de masque qui va s'opérer lors de la première heure du cours l'après-midi. Voilà. D'accord. Donc, c'est bon pour pouvoir donc, changer 2 masques par jour et permettre aussi le lavage le soir pour pouvoir avoir de nouveaux masques propres pour le lendemain. Est-ce qu'il y a des cours d'éducation physique? Oui, il y a des cours d'éducation physique et sportive qui vont se dérouler. Alors bien sûr, en mode dégradé, si je puis dire, parce que pas de sport de contact, pas de jeu collectif. On sera sur des activités, on va dire, que les professeurs vont proposer. Ils se réunissent cet après-midi pour vraiment travailler à quelque chose de concret, également d'agréable et d'utile pour les élèves. Après, dans le déroulement des opérations, quand ils vont se croiser dans les couloirs, tout est prêt, comme à l'école primaire, il y a des sens de circulation, c'est ça ? Alors, ils ne se croiseront pas. Il y aura un sens de circulation unique, avec une entrée unique et une sortie unique. Donc, les élèves de 6e seront au premier étage, les élèves de 5e seront au 2e étage. Comme a dit Mme Ojard, ce sont les professeurs qui changeront de salle et non les élèves. Donc, en fait, le sens de circulation est identifié au sol et sur les murs. Les récréations sont décalées, c'est-à-dire que les 6e vont en récréation en premier, vont déjeuner en premier, donc ils sortiront dans tous les cas en utilisant le premier étage. Et ensuite, ils seront retournés en classe, et là, c'est l'autre niveau qui descendra. Donc tout est fait pour qu'ils ne se croisent pas, d'ailleurs, c'est impossible d'un point de vue de circulation. Et pareil pour le self, où on sera vraiment sur deux temps décalés pour le repas. Donc d'abord les 6e à 11h30, ensuite les 5e à 12h30, avec entre les deux des nettoyages, des infections, du mobilier, des chaises, du sol. Et toujours pareil, une entrée différente de la sortie? Oui, pour le self, une entrée différente de la sortie, tout à fait. Avec, je ne vais pas le rappeler, mais c'est évident, mais c'est indispensable quand même de le rappeler peut-être, le lavage des mains pour avant de rentrer dans le self. Est-ce que les élèves pourront se laver les mains dans la journée aussi dans Bien sûr. Oui. Donc ils pourront se laver. D'ailleurs, à chaque récréation, ils devront se laver les mains. Ce sera même imposé qu'ils se lavent les mains. Alors bien que du gel hydroalcoolique soit présent dans toutes les salles de classe où ils seront présents, c'est d'abord le lavage de mains qui est privilégié. Le gel, les élèves pourront en mettre, mais après, il ne faut pas en abuser non plus. Voilà. Une des questions principales qui revient souvent chez les parents d'élèves, c'est est-ce que le temps de travail réel ne va pas être un petit peu empiété par toutes ces règles combien comprendre comment ça fonctionne, le temps qu'on va passer à se laver les mains, justement? Alors, c'est probable que ça va prendre du temps, du temps d'apprentissage aussi. Mais après, je fais confiance aux familles et aux parents parce que depuis le temps qu'on prépare cette reprise, tout le monde est informé sur les gestes barrières, sur l'importance de se laver les mains. Ça va prendre du temps, bien sûr. Il va falloir trouver une routine qui va s'opérer. On ne va pas avoir le même temps pédagogique qu'on avait avant cette crise épidémique. Mais dans tous les cas, je sais que l'important, c'est que les professeurs sont mobilisés pour apporter du temps utile à ces élèves. D'abord, et tous ces gestes barrières, l'apprentissage de ces gestes barrières, également participe aussi à de l'enseignement, je dirais, moral et civique. Donc c'est aussi une base aussi de ce qu'on propose au collège. Donc c'est important. Mais après, une fois que les routines seront installées, il y aura plus de temps pour les apprentissages, bien évidemment. Après la récréation, il faut bien reconnaître, on va être sur un mode nouveau, inédit, avec des espaces de distance à maintenir. Vous voyez derrière moi donc des tables de ping-pong, des bancs, tous les bancs en bois qui seront inutilisables. On va garder que des bancs en plastique facilement désinfectables avec une place à chaque extrémité. On sera sur un mode dégradé, comme je dis tout à l'heure. Alors, justement, vous parlez de désinfection. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où justement cette désinfection va avoir lieu? Oui, alors donc il y aura déjà un nettoyage, parce qu'on l'a distingué, nettoyage et désinfection. Il y aura un nettoyage plusieurs fois par jour et une désinfection tous les soirs ou tous les matins. Voilà. Et un nettoyage, notamment tout ce qui est point de contact, interrupteur, poignée de porte, même si toutes les salles, toutes les portes seront maintenues ouvertes, mais dans les interrupteurs seront nettoyés, désinfectés plusieurs fois par jour par les agents de la collectivité, d'ailleurs dont je remercie l'engagement et surtout la présence, hein, parce que certaines sont venues même pendant la période de confinement sur autorisation pour pouvoir préparer cette reprise. Et également, dans chaque salle, il y aura des lingettes désinfectantes pour permettre aux professeurs
de nettoyer, désinfecter le clavier qu'on a filmé avec du film alimentaire pour pouvoir faciliter le nettoyage, mais également la brosse de tableau, etc. Donc tout est prévu pour assurer donc une désinfection, un nettoyage au quotidien et plusieurs fois par jour pour le nettoyage. Merci Nicolas Blanche-Maison, donc principal du collège de Terrasson. Donc la rentrée est prête pour lundi, l'organisation est prête. Tout le monde peut être rassuré que ça, en principe ça devrait bien se passer. Oui, en principe tout va bien se passer, tout est prêt. Maintenant on attend vraiment avec impatience le retour des élèves. L'établissement scolaire sans élèves, c'est vraiment dommage et triste. Donc voilà, les élèves, on vous attend avec plaisir. Et si certains veulent d'ici le 5 juin se venir rejoindre leurs camarades, c'est avec plaisir. On les accueillera encore une fois avec plaisir et surtout beaucoup d'attente un petit peu parce que voilà, ça nous manque de ne pas avoir un collège vivant. Ah oui, s'il y en a qui ne sont pas volontaires tout de suite, ils peuvent se joindre par la suite. Alors oui, je demande aux parents qui seraient rassurés par rapport aux premières expériences de me contacter parce que j'étudierai chaque situation par rapport aussi à notre organisation parce qu'elle est installée. On peut y déroger à la marge, mais s'il y a des familles qui veulent mettre leurs enfants, j'étudierai la situation. Mais c'est quand même la volonté de faire venir les enfants. Merci Nicolas Blanche-Maison. Elsa Ojar, un petit mot. Confiant aussi pour cette... les parents d'élèves sont assez confiants, enfin du moins ceux qui ont envoyé leurs enfants. Oui, confiant. Je suis confiante aussi au niveau des transports scolaires où il y a eu beaucoup de questions. Il y aura les mesures sanitaires. On a reçu tous un mail du conseil régional. Donc les mesures sanitaires sont prises aussi au niveau du bus, au niveau du self aussi. Il y a eu beaucoup de questions. Donc Monsieur Blanche-Maison, vous n'avez pas trop parlé, mais ils ne seront pas face à face. Le plateau sera pris. Ils auront juste à aller chercher leur assiette. Donc, non, je suis très confiante. Un certain nombre d'élèves par table, j'imagine. Oui, tout est pris. Ils seront combien ? 4 par table ? Non, 2. Deux par table, que je ne dis pas. Donc, vraiment, oui, je suis confiante. Mettez vos enfants, si vous... Après, ça reste une décision personnelle. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas bien ou bien de mettre votre enfant, mais je suis confiante et toutes les mesures sont là pour que ça se passe bien. Merci. Bon courage pour lundi, donc pour ce redépart. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.